Salut! Bon, j'ai pas le temps, tu vois, je suis encore à l'arrache, là, c'est pas possible. Oh, j'ai vraiment pas le temps. Oh là là, j'ai pas le temps. J'ai un autre rendez-vous dans 15 minutes. Oh, j'ai vraiment pas le temps de faire ma vidéo. Comment je vais faire? Oh là là, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps du tout. J'ai pas le temps. Ah, tu l'as dit combien de fois, ça, j'ai pas le temps? Tu connais? Rappelle-toi là, quand t'as dit à quelqu'un la dernière fois. Ça se trouve, c'était aujourd'hui que t'as dit à quelqu'un, j'ai pas le temps. T'es sûr que t'as pas le temps? T'es sûr? Ah ah ah, t'as bien le temps de regarder cette vidéo, donc t'as le temps, hein? Bon, allez, je vais. Non, mais je viens de courir, ça. Non, non, j'ai pas couru. Non, en fait, j'ai passé une super journée, c'était cool. Ce matin, j'étais à mon cours de dessin. Ce midi, j'avais un rendez-vous. Enfin, ce midi, j'avais un rendez-vous à 15h, du coup, ce midi, je suis allée déjeuner à mon hub habituel. Et là, j'ai rencontré Nikita, que je pensais pas du tout voir. Et ensuite, j'ai rencontré Romy, que je pensais pas voir du tout. Coucou Romy, coucou Nikita. Ensuite, j'ai rendez-vous avec Delphine, c'était super génial. Et là, il est 17h45, j'ai un autre rendez-vous dans 15 minutes, et après, je disparais de la sphère pour ce soir, de la sphère Internet. Voilà, donc la vidéo qui sert à rien. Non, elle sert pas à rien. En fait, voilà, je t'invite à te questionner sur le temps. Je pense, en général, c'est rare, enfin, si je me trompe, dites-le moi, mais c'est rare que je dise j'ai pas le temps. Je n'ai pas pris le temps de faire ceci ou cela, oui, ça m'arrive, mais je n'ai pas le temps, c'est faux en fait. Parce que je pense qu'on a tous le même temps, même si le temps est relatif, même si le temps n'existe pas, parce qu'en fait, le temps, ça dépend des priorités aussi qu'on se met. Marie, parle doucement. Je me rends compte que je parle vite là. Le temps, ça dépend des priorités que tu as. Donc en fait, si tu n'as pas le temps, si souvent tu dis je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, peut-être que tu fais des choses qui ne te plaisent pas. Ou peut-être que tu as trop d'idées à la minute, ça arrive. Hein. Des fois, tu as beaucoup d'idées à la minute, tu as l'impression que tu n'auras jamais le temps de tout faire, que c'est une catastrophe, que c'est horrible. Oh là, ça me fait penser à la question de Sophia que j'ai toujours pas répondu, mais ça va, il me reste encore 15 jours. Hé, hey, mais je suis à la moitié là! Oh là là! Ça fait 15 jours que je fais des vidéos tous les jours. Oh, truc de fou. Alors que, bon, si tu retournes sur ma vidéo du premier jour, franchement, je suis pas du tout comme là. Hein. Je suis en mode, oh là là, quelle horreur horrible, ça va être la catastrophe. Donc, non. Je t'invite aujourd'hui à te questionner sur la question du temps. D'ailleurs, ça me fait penser. Horreur, non. Il y a Laure qui a fait un super article sur le temps, qui s'appelle la temps, attends, rêver son temps en multidimension. Je te mettrai le lien sous la vidéo. Il y a aussi Livia Kero de Livia Desblocs qui parle beaucoup de la relation au temps. Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, finalement, on a le temps. Enfin, Laure m'avait interviewé sur le sujet du temps. Et en fait, moi, je pars du principe. De toute façon, on a tous 24 heures dans la journée. Et je sais pas si tu as remarqué, mais moi, en général, quand je fais des pauses, je gagne du temps. En fait, des fois, je fais de la résistance. Hein. Je me dis, non, non, j'ai pas le temps de prendre une pause, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en fait, ton corps et ton corps, ton âme te crient, fais une pause, je n'en peux plus. Et en fait, j'ai remarqué que donc, quand je prends le temps de méditer, quand je prends le temps d'aller en nature, souvent, c'est là que ça se débloque. Parce que souvent, tu t'acharnes sur quelque chose. T'es là, tu veux absolument finir ce que tu as à finir. Tu veux finir ton article, finir tel travail, finir telle chose. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que tu fais comme activité. Mais en fait, quand c'est pas fluide, ça sert à rien d'insister, quoi. Vaut mieux que tu ailles prendre l'air, je sais pas, que tu penses à autre chose, ou tu fais carrément autre chose, et tu y reviens le lendemain ou juste après ta promenade, enfin, comme tu veux, quoi. Et là, tu fais, ah, mais c'est ça, c'était aussi simple que ça, mais pourquoi? Donc en fait, non, tu as le temps. Tu as le temps, alors prends le temps de faire une pause. Moi, je vais prendre le temps de faire une pause avant mon rendez-vous de 18h. Je vais mettre cette vidéo en ligne là maintenant, tout de suite. Et puis je te dis à demain. Et en fait, tu as tout ton temps. Même pour cette vidéo, tu as tout ton temps de la regarder. Même si elle est faite un petit peu à l'arrache, j'avoue. Mais tu as le temps. Respire, respire, tu as le temps. À demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Et donc là, bon, tu vois, j'ai pas le temps de réfléchir, hein. Du coup, je suis obligée de la publier direct, hein. Allez, salut, à demain.